y a un truc qu'il faut qu'on m'explique, parce que May the Force be with you, en français, ça veut quand même dire que le 4 mai soit avec toi. Alors pourquoi le 4 mai? Je comprends pas. Pourquoi pas le 27 avril, le 18 janvier, le 7 juin, le 14 février? C'est vraiment débile. Oh pardon, vous êtes là, bonjour à tous. On est de retour pour une nouvelle vidéo pour vous parler des occasions du jour sur Gran Turismo 7. On a quelques nouveaux véhicules aujourd'hui, il n'y a aucun véhicule en rupture de stock, c'est bon à noter. Et par contre, ouais, il y a pas mal de nouveaux véhicules. Demain, il n'y aura pas de nouveaux véhicules, donc on fera quand même une vidéo, mais il n'y aura pas de nouveaux véhicules demain. En tout cas, on va parler des véhicules du jour. Dans le Volkswagen Sambabus Type 2 1962, qui est en stock limité à 67 000 crédits, pardon. Toujours aussi peu intéressant, c'est un véhicule que vous gagnez en mission, mais si vous en voulez plusieurs, bah, c'est le moment de le prendre. Ensuite, nouveau véhicule du jour, le Toyota Sprinter Trueno 1600 GT Apex AE 86 1983. Disponible à 52 100 crédits, c'est un véhicule qui a déjà été disponible plusieurs fois en occasion. La dernière fois qu'il était disponible, il était à 48 200 crédits, soit un tout petit peu moins. Mais voilà, c'est toujours intéressant si jamais vous ne l'avez pas ou alors que vous en voulez plusieurs. La Suzuki Swift Sport 2007 à 12 000 crédits, véhicule assez peu intéressant, vous pouvez l'avoir neuf pour 16 275 crédits, soit 4 275 crédits de plus. J'ai bien sûr fait le calcul. C'était pas très très difficile. Donc c'est peu intéressant, vraiment, vous pouvez l'acheter neuve. La Daihatsu Kopen 2002 à 13 000 crédits. On est sur le même cas que la Suzuki Swift. La Kopen est disponible à 13 000 crédits. Elle est disponible neuve pour 18 000 crédits, soit 5 000 crédits de plus. C'est pareil, c'est pas très intéressant. Ensuite, nous avons la Toyota Prius G 2009 qui est en stock limité à 18 600 crédits, véhicule que vous pouvez acheter neuf. La Mini Cooper S 1965 en stock limité à 39 300 crédits. Ça vient de passer en stock limité aujourd'hui, mais c'est assez peu intéressant. C'est un véhicule que vous gagnez dans le menu du GT Café. La Nissan Fairlady Z 240 ZG HS 30 1971 disponible à 99 100 crédits. Un véhicule qui a déjà été disponible plusieurs fois en occasion. La dernière fois, il était exactement au même prix. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous jeter dessus. La BMW 3.0 CSL 1971, disponible en stock limité à 138 400 crédits. C'est un véhicule qui était déjà en stock limité hier. Va donc pas tarder à disparaître, donc dépêchez-vous si vous ne l'avez pas encore. La Ferrari 308 GTB 1975 est toujours en stock limité. On pensait qu'elle allait disparaître aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, elle est toujours disponible. Mais il faut quand même se jeter assez rapidement dessus, parce que ça va pas tarder à disparaître. La Nissan Fairlady Z 300 ZX TT 2-seater 1989, disponible à 51 000 crédits. C'est un véhicule pareil qui a déjà été disponible en occasion, mais si vous êtes passé à côté, vous pouvez la prendre. La Lancia Stratos 1973, disponible à 495 000 100 crédits. C'est un véhicule qui revient pour la seconde fois en occasion. La dernière fois, il était disponible à 532 000 100 crédits, donc un peu plus cher, donc il avait beaucoup moins de kilomètres. Mais voilà, c'est intéressant si vous ne l'avez pas prise ou que vous en voulez une seconde. Ensuite, nous avons la GTO Twin Turbo 1991 qui est déjà en stock limité à 45 000 crédits. C'est une voiture qui est apparue le 27, donc il lui a fallu que 2 jours pour passer déjà en stock limité. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à la prendre. Moi, je l'ai déjà prise, mais je vais peut-être en prendre une deuxième bientôt parce que j'ai des réglages à faire dessus. La Honda S2000 1999 est en stock limité à 99 100 crédits, véhicule qui était déjà en stock limité hier, qui va donc pas tarder à être en rupture de stock. La Nissan R32 GTR V-Spec 2 1994, 171 200 crédits, stock limité. Ça vient de passer en stock limité aujourd'hui, donc vous avez encore un peu de temps, mais si vous en voulez une Nissan R32, il faut se dépêcher. La Mitsubishi Lancer Evolution 4 GSR 1996 est en stock limité à 49 400 crédits, ça va pas tarder à être en rupture de stock. La Lamborghini Murcielago LP 640 2009, disponible à 315 800 crédits. Qui vient d'apparaître en vente. Elle n'était pas encore disponible une seule fois en occasion, sauf peut-être au tout début du jeu. Et encore, je suis vraiment pas sûr. C'est un véhicule qui est pas intéressant, vous pouvez l'acheter neuf pour 385 600 crédits, soit 69 800 crédits de plus. Vous pouvez faire une petite économie dessus à la limite, mais énormément de kilomètres. Préférez la prendre neuf plutôt, c'est beaucoup plus intéressant. La Porsche 911 GT3 997 de 2009, en stock limité à 142 500 crédits, va pas tarder à disparaître, mais vous pouvez l'acheter neuve. La Honda Civic Type R EK Touring Car, stock limité 113 800 crédits, c'est pareil, ça va pas tarder à disparaître, celle-ci est plutôt intéressante à prendre, puisque vous pouvez pas l'avoir autrement.
La BMW Z8 2001 stock limité 267 200 crédits, je m'attarde pas dessus, vous pouvez l'avoir neuve. Donc c'est pas du tout intéressant. Du côté des légendes, pareil, on n'a pas de nouveau véhicule. Mais par contre, on a la Ferrari qui va vraiment pas tarder à disparaître. La Ferrari 330 P4, 1967, 9 millions de crédits, on revient encore un peu dessus. Elle est en stock limité, ça va vraiment pas tarder à être en rupture de stock. C'est peut-être potentiellement le dernier jour pour la prendre. Donc si vous avez les 9 millions de crédits, n'hésitez absolument pas, surtout si vous cherchez le trophée platine. Pour le trophée platine, elle est très très intéressante. Donc il faut vraiment se dépêcher un petit peu, parce que voilà. On sait pas du tout quand est-ce qu'elle va revenir, vraiment. Il y a quand même encore pas mal de légendes, il y en a certaines qui sont pas encore arrivées. Donc voilà. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, à plus les gens.